One Love. Je vous partage le post qu'un ami de très longue date a posté sur YouTube, pas sur YouTube, pardon, sur Facebook. Tellement l'habitude d'être sur YouTube que je dis YouTube à la place de Facebook. Tu sais, Facebook, j'y vais pas très souvent. Mais quand j'y vais, je fais un gros lâcher de vidéos en général. Et puis je lis des coms, je réponds à des coms, je parle sur Messenger. Mais bon, c'est pas très souvent. Donc, il nous dit, si vous n'avez pas déjà lu, c'est possible que vous ayez déjà lu, vu que j'ai la vidéo pointée dessus, mais je vais vous le lire quand même. Dans les prochains jours, on va vous annoncer un couvre-feu à partir de 19h et un confinement le week-end. Mais, à mon avis, on va vers un arrêt total d'ici quelques semaines. Mais ne vous inquiétez pas, les supermarchés seront ouverts quand les marchés de Noël seront fermés. Netflix et Disney seront toujours dispo quand les cinémas seront fermés. Amazon sera toujours ouvert quand les magasins des centres-villes seront fermés. Deliveroo et Uber Eats livreront toujours quand les restaurants seront fermés. Et puis dans quelques mois, lorsqu'ils nous permettront de sortir à nouveau, de vivre à nouveau, les restaurants, les magasins, les salles de spectacle, les discothèques seront définitivement fermées. Les derniers petits patrons survivant à cette, entre parenthèses, deuxième vague, devront supplier les banques, qu'elles leur prêtent de l'argent. Mais ne vous inquiétez pas, les grandes banques et les multinationales seront toujours là pour acheter à bas coût tous les fonds de commerce juteux. Mais nous aurons encore de grosses enseignes partout où que vous alliez. Et nous ne serons plus que des employés de ces multinationales. Les autres seront au chômage. Car n'oublions pas que lorsque notre Jupiter était à la banque Rothschild, c'est le vrai nom, sa spécialité, c'était les fusions-acquisitions. Dégraisser, puis revendre. C'est ce à quoi nous allons assister. Et je rajouterai, c'est ce à quoi nous assistons déjà. One Love.